Quel temps faut-il à une grue de 8 chevaux vapeur pour hisser une charge de 3000 newtons à une hauteur de 6 mètres? Voici les données. La puissance P de la grue est de 8 chevaux vapeur, c'est-à-dire 8 fois 736 watts, donc 5888 watts. Le poids grand G est de 3000 newtons et la hauteur H est de 6 mètres. Nous cherchons le temps T que nous exprimons en secondes. Commençons par appliquer la formule d'une puissance. Une puissance est égale au travail accompli divisé par le temps nécessaire pour l'accomplir. Pour trouver ce travail, nous appliquons la formule travail égale force fois déplacement. Donc ici, le travail accompli est égal au poids grand G fois la hauteur H. De la formule P égale G fois H sur T, nous déduisons que le temps T est égal à G fois H sur P. Nous remplaçons le grand G par 3000, le H par 6 et le P par 5888. C'est ainsi que nous obtenons comme temps à peu près 3,01 secondes.